Dans les systèmes cellulaires, on préfère limiter les émissions des terminaux au maximum. Dans certains systèmes sans fil, pour détecter la présence de points d'accès à proximité, un terminal peut envoyer des stimuli, des messages demandant aux stations, aux points d'accès de répondre. Ce n'est pas le cas dans un système cellulaire. Comme on veut avoir la possibilité de réallouer les fréquences de manière facile, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que un jour J, deux opérateurs ont leurs fréquences qui sont modifiées ou s'échangent de fréquences. Il n'y a donc rien de codé en dur dans le terminal ou dans la carte SIM, c'est-à-dire que les fréquences allouées à un opérateur particulier ne sont pas programmées dans le terminal, il va découvrir, et ça veut dire qu'il doit parcourir l'ensemble des fréquences de la bande GSM et des bandes 3G, 4G, si c'est un terminal multimode, et ensuite il écoute chacune d'elles, il détecte une voix balise et il va vérifier sur la voix balise que c'est bien son opérateur, ou c'est un opérateur avec lequel il y a un accord. On aurait pu imaginer le dernier système, mais ça implique que le terminal soit déjà en communication avec le réseau. Donc ça paraît un petit peu difficile. Donc la dernière réponse est bien évidemment fausse.